Oui, Jérôme, Adrien, et ben voilà, avec Michel, on était tout content de pouvoir sortir du déconfinement. Et voilà, dis pas que la météo nous joue des tours de cric-crac, on est à nouveau bloqué à l'intérieur. Alors, bloqué pour bloqué, on s'est dit qu'on allait revoir les anciens films de quand on était petit. Et ainsi, nous permettre de plonger dans la polémique du problème du baiser de Blanche-Neige. Le film de Walt Disney est-il tout blanc comme neige, ou y a-t-il d'autres problèmes? Un plongeon au cœur de la perversion du dessin animé, une enquête menée par Freddy Tougo et son Michel. Ouf! Oh non! Un jour, mon prince viendra. Quand tu vois la tête des princes aujourd'hui, il vaut mieux se taper un biscuit qu'un fils de roi. Allez hop! Blanche-Neige! Grâce à notre fournisseur multimédia professionnel, on a pu revoir nos classiques. Allez hop! C'est le téléchargement qui est long. Le premier soi-disant problème, le baiser. On regarde. Stop. Ça me dégoûte. Oh, je trouve ça dégoûtant. C'est pas dégoûtant? Depuis combien de temps elle dort, cette fille-là? On ne sait pas, hein. Vous avez déjà embrassé quelqu'un qui dort depuis de longues heures? C'est comme de sucer un fromage de herbe, hein. Ce garçon-là, il ne mérite pas une incarcération, il mérite une décoration. Enfin bref, mérite ou crime, chacun jugera. Donc la cancel culture refuse de baiser nos consentis. Par contre, pour la pomme pourrie, elle dit rien. Comment ça, quelle pomme? Quand elle mordra dans cette pomme pour goûter à ce fruit mortel, son souffle s'arrêtera. Ça fait que nous, on se casse la nanette pour que les enfants mangent des fruits. 5 pommes minimum par jour. Et lui, Walt Disney, qu'est-ce qu'il mange? Qu'une pomme, c'est dégueulasse, mortelle. C'est pour décourager les gamins, hein. Et ça, c'est le lobby des bouffeurs de viande, des pro-hamburgers anti-pommes, hein, qui nous manipulent. Attention, je ne suis pas compotiste, hein. J'aurais été le premier à le dire. D'autant plus qu'une pomme, c'est super bon. C'est plein de vitamines, plein de phosphore, plein de glyphosate. Suivant. Quoi? Personne ne remarque rien, tout va bien dans cette scène, hein? Il y a 8 personnes dans la baraque, Michel. Et qui c'est qui nettoie la merde des hommes? La femme! Mais bien sûr! On est dans le misogynisme en plein! Mais ça, c'est parce que les nains sont à la mine, hein, Freddy. Mais ça va! Et Blanche-Neige, je n'ai pas le droit d'aller à la mine, comme n'importe quel nain! Et d'abord, Michel, on dit pas un nain. On dit une petite taille de personne, voilà. Ou tu sais quoi? Elle commence à me saouler, Blanche-Neige. Éjecte! Suivant! Pinocchio. C'est pas moi qui le dis. J'enfile. Ah ben, pas besoin de commentaires. Les images parlent d'elles-mêmes. Ça, c'est la promotion de la turgescence, du stupre et de la fornication. Le petit bois du matin deviendra grand. Elle est belle, la symbolique, hein. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'il s'appelle le personnage? Pinocchio l'a déjà dit, hein. Le papa, il s'appelle comment? Geppetto. Et la petite sauterelle, la conscience. Jiminy crie... Cat. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est pas du Walt Disney, c'est du Walt Dorcel. Suivant! Alice au pays des merveilles. Alors là, même pas besoin de regarder. C'est l'apologie de la drogue, ouais. J'hallucine Eugène. Ça, ça nous rappelle les pires heures des années Boccaccio. Acide au pays des merveilles, c'est pas pour moi. De toute manière, je n'ai jamais touché une goutte de drogue. J'ai même jamais pris un seul Viagra. Si, une fois. Mais c'était en suppositoire. Ah bah oui. La petite sirène. Attention, alarme au racisme. Sous l'océan, mais qu'est-ce que c'est que ça pour un accent? Allez, sincèrement, c'est qu'un vieux cliché raciste. Mais c'est pas le pire, parce que dans le Roi Lion... Il est vivant, évidemment, on prend un singe, on met un accent africain. Alors que si t'étais le Roi Lion, la porte ouverte à tous les accents flamands, là, ça aurait été bien, hein? Ça aurait été plus correct. Enfin bref, que ce soit dans le dessin animé ou dans la vie de tous les jours, on le voit, encore une fois, on a bien fait le tour de toute la question de ce qui est pervers. N'oubliez pas que la perversion est dans l'œil de celui qui la voit. Retour un peu plus de rigueur, ça ferait du bien parce qu'il y a trop de laxatisme partout. Et ça, ça fait chier tout le monde. Voilà. En même temps, faut pas non plus exagérer. Qu'est-ce que je risque si j'embrasse Blanche-Neige endormie? À part un tout petit truc. Oh, mais Michel! Tu m'as dit que je risquais qu'un tout petit truc, mais je m'attendais pas à un aussi petit truc, hein! Oh. Hey, attendez-moi, les gars! Oh! Ah, les hommes là!